Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, on ne se prend pas la tête ce soir puisqu'on s'amuse. Et on va s'amuser pas sur n'importe quoi, ni même avec n'importe qui. Bonsoir. Alors, j'ai changé d'emplacement l'objectif, en espérant qu'il soit mieux ainsi. On risque de remarquer d'ailleurs les détails, les moindres pliures du vêtement. Ça fait peur. J'aime les ficellos à Soberto Choco? Non, Kesako, c'est Redco. Incroyable. Bonsoir, Redco. D'ailleurs, Redco, j'ai l'impression que ce live va être fait que pour toi, finalement. Ah non, il y a Kilorino. Bonsoir Kilorino. Comment ça va? Quelle surprise! Bonsoir Kilorino. J'avais pas forcément d'inspi. Ça se voit que les 2 derniers jours étaient plus productifs. Contrairement à celui-ci qui, hélas, bon, bah. Bon, on se contente de ça, c'est bien, merci quand même. Bon, alors sans plus attendre. Comme vous le savez, Minecraft a fait sa grandeur grâce au mod. Et aujourd'hui, on va en tester quelques-uns qui est donc le Seigneur des Anneaux version Minecraft. Je tiens aussi à préciser que nous sommes sponsorisés par Good Mood, qui est tout simplement la bonne humeur en fait. Hein, voilà. Donc c'est notre premier sponsor officiel, voyez tout en haut. Sponsor officiel, Good Mood. Good Mood, Mood, Mood. Good Mood, Mood. Good Mood. Si besoin d'aide en vocal, je suis disponible. Si tu galères vraiment, je serai là. Très bien, ne t'inquiète pas. Je vais essayer de jouer en hard. Sponsored, oui. Stonks, tout ça. Il faut bien rentabiliser quand même. Eh ben oui. Sponsored by Good Mood. Yes, j'ai dit premier coup. Incroyable. Alors maintenant, quand vous mettez une emoji, elle apparaît aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que j'ai rajouté tout à l'heure? Je ne m'en souviens plus. Mais j'ai rajouté des trucs. Mais là, en français, pour les discours, je pense que ce sera mieux. Très très bien. Bien reçu. Alors, on va chercher français. Française, français. Ok, terminé. Hop, ok. Au niveau. Non. Au niveau. Graphisme. Wow! Ça fait. Wow. Ok. Bon, bah écoutez, après luminosité, on laisse en vive, tout ça. Donc, on joue en solo et en hard. Parce que sinon, c'est pas drôle. Solo et hard. Ah oui, si vous faites point d'exclamation YT. Vous avez une chaîne YouTube qui pop. Le truc, c'est que la chaîne YouTube, il n'y a encore rien dessus. Mais probablement demain, je vais m'en occuper. Demain, il n'y aura pas de live. Dimanche. Yo, salut M13 Naruto. Il était en petits morceaux, par contre, MDR. Eh oui, tout à fait. Voilà. Vous avez vu ce message? Le lien ne ressemble à rien. Je pense que je peux le modifier, peut-être. Je sais pas. Sûrement. Et salut à tous les amis, c'est John Wood, Lafarge. Mapping. Oui, tout à fait. Et j'ai aussi préparé un nouvel emploi du temps. Un nouveau planning. Je ne sais pas si vous l'avez vu encore. Mais le nouveau planning donc, est disponible sur la chaîne Twitch. Si vous cliquez sur mon identité, salut à Sebendo, et que vous allez dans Programme, vous voyez, vous avez Accueil, Bio, Programme. Je sais pas si sur téléphone ça marche. Mais enfin, vous avez un onglet Programme, et là-dedans, vous avez tous les programmes de la semaine. Et alors, pour faire simple,
pour vous dire, grosso modo, parce que chaque jour va être un peu différent, je ne vais pas faire la même chose chaque jour, ça risque d'être un peu... L'enfant turbulent, c'est Bendoué-là. Non, mais oh. Je vois bien le non, mais oh. Ça va, oui. Oh. Ok. Alors, si je vous donne un petit peu... Où est-ce que c'est ? Communauté. Non, c'est pas ça. Préférence. J'ai trouvé. Ça y est, donne une gifle à Bendo. Les excès de violence commencent. Bon, très rapidement, je vous montre un petit peu le planning. Avant de commencer. Ça va être très très simple. Comment je fais ça ? Hop, voilà. Ok, le planning. Vous avez aussi le message automatique qui s'affiche. Nous sommes actuellement sur le mode pack Seigneur des Anneaux sur Minecraft. Vous pouvez y jouer. Plus d'informations sont disponibles sur ce lien. Et j'ai oublié un S disponible. Je vais arranger ça tout de suite. Tac, tac. Non, alors c'est tac et tac. Tac au tac. Hop. Je vais dans timer. Et voilà, problème réglé. Ok, alors au niveau du planning, voici ce que ça donne. Donc le lundi soir, à 20h, on se consacrera 2 heures juste sur Hammer. Enfin, le mapping source, donc, et toutes ses extensions autour. Donc ça sera vraiment le lundi soir, un peu en mode tryhard. Voilà, c'est vraiment le côté très technique. Ce sera le lundi. Ça m'a dit tout le temps dans les oreilles, un régal. Je comprends tout à fait. C'est un régal quand on l'écoute. Le mardi, on fait ce qu'on aime bien aussi. On s'amuse un peu. Roleplay et visite de serveurs. Donc à ce moment-là, on se permettra d'aller voir un petit peu tous les serveurs GGMod s'il y en a intéressant, un manga RP ou alors un médiéval. Par exemple, le médiéval RP, d'ailleurs, ce soir est fermé puisqu'ils sont en maintenance. Donc je crois qu'ils vont réouvrir bientôt. Bon, le mercredi, on se fait une petite soirée League of Legends. Il fallait bien. Donc soirée tryhard. J'aimerais bien monter un petit peu en niveau et surtout passer gold, c'est mon objectif. Le jeudi, on refait, donc c'est rebelote, roleplay visite de serveur. Le vendredi, découverte d'un jeu. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être soit on va sur un autre jeu, soit vous me proposez un jeu et j'y vais. Voilà, c'est vraiment assez libre. Et le samedi soir, ce sera sa soirée Minecraft. Voilà, tout simplement. C'est cool de ne pas t'être arrêté à du mapping sur ta chaîne. Oui, tout à fait. Le mapping, le problème, c'est que le mapping, c'est vraiment extraordinaire, mais à répétition, comme ça, ça devient vite fatigant. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup d'énergie et surtout de l'inspiration. Et l'inspiration, on l'a en passant du temps sur autre chose, généralement. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais multiplier les visites de serveurs pour essayer de voir un petit peu comment ça se passe. Et essayer de coordonner ça le lundi soir, bam, briefing, on continue notre map aventure. Voilà, je pense que ça va être tous les lundis. Mais c'est vrai que finalement, on reste aux bases. Hein. Ça va être le lundi soir, ce sera la grosse soirée. Voilà, ce sera la soirée Hammer. Voilà, sans aller ailleurs. Mais c'est pour ça. Alors un petit planning comme ça, ça nous permet d'avoir une idée. Si vous voulez être là ou pas là, savoir ce que vous manquez ou non. Savoir si au bout d'un moment, vous voulez être là ou pas. C'est vous qui voyez, vraiment. À partir du moment où moi, ben, j'ai juste le bot Streamlabs qui est là, ça me va. Donc, c'est-à-dire que, voilà, parce que je sais que c'est enregistré après en rediffusion, et que, bon, il faudrait que je me décide un jour. D'ailleurs, je remercie Shuttle tout à l'heure de m'avoir coupé un petit bout d'une rediffusion pour que je puisse la mettre sur YouTube, puisque, effectivement, c'est mon objectif ici de faire un minimum de contenu YouTube, de manière à laisser des traces après, et à pouvoir aider des gens qui sont dans le besoin. Ok. Allez, on passe sur Minecraft. C'est parti. Minecraft. Je veux l'ouvrir. Pendant 2 semaines, tu faisais du mapping pendant 2 heures. Donc, boum. Donc, bon, c'était très, très intense. Oula, oui, ça, c'est sûr. C'était très, très intense. Et c'était très productif. Mais le problème, c'est que j'ai fait une trop grande pause pendant trop longtemps. Ce qui fait que j'ai complètement lâché le rythme. Mais bon, c'est la vie. Ok, on va commencer. Alors, solo. Bon, ça, il ne faut pas en tenir compte, ce sont mes autres mondes de mon autre Minecraft. On va l'appeler Cuckooland.
Mode de jeu survie. Ici, qu'est-ce qu'on a? On laisse tout ça. Je désactive. Je n'active pas les commandes, bien sûr. Coffre bonus. Non. Mais si c'est sur non, c'est non. Ok, eh bien, je vous propose. C'est parti. On voit toujours le Good Moon. C'est marrant, d'ailleurs, ce que ça donne. Ok, c'est parti. Alors, je vous avouerai que j'ai juste vu les 4 screens que Redcom m'a envoyés et rien d'autre. Ok. Faudrait que je fasse aussi quelque chose dans le genre avec ça. Genre faire des rediff mapping avec un best-of des mini-tutos. Ah, ce serait bien, oui. Hein. Ok, alors j'ai. Non, c'est bon. Je croyais avoir quelques mini des mini-freeze. Si, j'en ai, j'en ai. Et pour le peu que j'en ai, c'est pas forcément très très agréable. On va se laisser à 10 chunks. Y a pas moyen de régler sa sensibilité? Je crois que non. Ah si, sensibilité. Elle est un peu trop à mon goût. Je suis pas un joueur de FPS. Ah merde, fait lancer dans un monde Middle-earth. Ah, d'accord. Alors, si je vais là, c'est ça? Ah, terre du milieu. Mais voilà, très très bien. D'accord, merci Redco. Bon, on renomme ça Coucou Land. C'est parti. Merci Redco. Non, faut que tu fasses tout un truc avec de l'or et compagnie, c'est inutilement long. Faut que je clique? Faut que je sois sur E? Ok! Waouh! Coucou là, vient d'obtenir le succès de Terre du Milieu. Premier pas. Ah! Ça m'attaque ça! Ah non, non, c'est bon. Oh, il y a des trèfles! Aïe, aïe, aïe. C'est, ça frise un peu beaucoup là. Je crois que ça génère. Est-ce que ce sont des maps qui sont générées ou c'est toujours la même map? Ok, donc je peux prendre les trèfles. J'ai pas des trèfles à 4 feuilles là? Ok, alors moi j'aime bien les plantes. Plantes d'herbe à pipe. Oula, d'accord, ça les hobbits ils aiment bien ça. Bon bah écoutez, alors là j'imagine que je fais une aventure classique. Ah, c'est de. Ok, c'est de façon aléatoire. Super! J'ai une pomme, ça y Ah, Bendo! Que se passe-t-il, Bendo? As-tu quelque chose à dire? Mais toujours sur la base de la terre du milieu, niveau biome et chemin. Mais sinon, la génération est aléatoire. Super! Très très bien. Bendo, le casseur de boules est de retour! Ah! Oh, tous aux abris! Attendez, il faut que je prenne ça, là. Ok! Donc j'ai ouvert l'inventaire, très bien. Alors j'ai pas envie de taper ces petites bêtes là qui m'ont bien l'air mignonnes. Ça c'est quoi? C'est un poirier ça non? Eh ben voilà. Donc j'ai une pomme, j'ai du bois de pommier. On va se faire un peu les classiques là. On va juste se faire des haches pour le moment. L pour la map normalement. Oh oui, menu. Succès. Très bien. Ah! Ah! Je cherche quelqu'un pour partager une aventure. Oh, mais il y a Gandalf! Bienvenue dans les terres du milieu. Oh, ah, trop bien! Vous recherchez. Une aventure, enfin quelque chose pour partager l'aventure. Il y a bien des aventures où il faut aller. Ok, c'est bon. Mais le monde est sauvage et rempli de dangers. Alors accordez-moi quelques conseils. Non, accordez-moi de vous donner quelques conseils. Acceptez. Bien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh! Ok, mini-quête. Super. Parler avec les rangris. Ok. Donc j'ai les activités, j'ai les complétés. Donc ça c'est. Ok, ça c'est l'activité que je dois faire.
Il y a une version française, mais bon, pas grave, tu gères en anglais. Bon, je vais faire de mon mieux. Je vais essayer de traduire en même temps. Alors, monsieur Gandalf, le Livre Rouge est un journal de vos aventures. Tout ce qui se passe autour dans les terres du milieu, merde. Vous devez apprendre à lire la map. Pour la terre du milieu, c'est un monde très sauvage. Et les aventuriers, bon, je mets un peu de temps à traduire. Maintenant, vous devez apprendre, voilà. Ok, donc, ok. Bon, maintenant, je dois juste me fier à la map, quoi. Après, c'est L pour ouvrir. Ok. Oh, wow. Ok. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Donc là, j'ai vraiment tout, quoi. J'ai le carrefour. Oh, c'est dingue. Ok, très très bien. Ah, monsieur, qu'est-ce que vous avez? Depending on yourself, those people may come to you as friend of fear. Ok, en gros, il me dit que je peux me faire des amis ou des ennemis. Voilà, c'est à moi vraiment de voir. Bon, je continue un petit peu ma page de bois. On sait jamais. J'ai une pomme. J'ai lancé en hard, non? Difficile et je lock. Voilà. Dites-moi, très cher vieillard. Ok, donc je dois me familiariser avec l'environnement pour le moment. Tu n'es pas au bout de tes reprises, hein, c'est juste incroyable. Bah écoute, il me tarde. Bon, le Gandalf, il va me parler comme ça pendant 30 ans ou pas? En plus, il me dit toujours la même chose, là. Utiliser left et right pour... Pourquoi? Pour parcourir les factions. Oh! Ok. C'est pas ça que je dois faire. Non. Ah, je crois que c'est ça. Non plus. Ok. Donc là, c'est toutes les factions. Très très bien. Ok. Ah, mais il fume vraiment en plus. Flèche directionnelle. Ouais, flèche directionnelle, mais où? C'est ça le truc, c'est que je dois me mettre où? Si je vais dans faction, si je fais flèche. Ah, il y a une petite flèche là. Non, même pas. Je comprends pas trop là. Utiliser left et right. Pour parcourir les factions. Y a pas autre chose, monsieur Gandalf? Si je ferme. Voulez-vous abandonner cette mini-quête? Non. Dans le jeu. Ah, ok. D'accord. Et là, je suis un étranger pour tout le monde, en fait. D'accord. Salut, toi. Ok, là, je suis un étranger pour tout le monde. Ok. Utilisez up and down pour parcourir les régions. Wow, c'est assez incroyable. Alors, je vois que... dans aucun menu, je sais... Ouais. Ok, donc soit je deviens un invité, soit un réserviste ou un esclave. Ah non, d'accord. Non, même pas. Ok, invité, esclave, réserviste. Invité, esclave, réserviste. Ok, d'accord. Parlez à l'errant gris. Ok, où êtes-vous? Voilà, vous êtes là. Quoi ensuite? Ah oui. Les factions peuvent vous dire... Ok, bon, il me parle d'influence. Pressez L. Pour ouvrir le guide des factions. Oui. J'y suis. Voilà, je fais un petit tuto, j'ai l'impression. Parlez. Ok. Bien sûr, il y a beaucoup à faire dans la terre du milieu. Vous trouverez plus au travers de vos aventures. Ok. Oh, j'ai presque oublié. Tenez votre vieux sac. Oh. Il m'a donné trois petites bourses. Oh. Super. Errant Gris m'a demandé de parler avec l'Errant Gris. Franchement que je sais qui c'est. Eh bien, je crois maintenant que je vous ai tout dit.
Et maintenant, vous devez aller sur votre chemin. Bonne journée à vous. Ok. Ben merci, monsieur les rangs gris. Peut-être qu'il faudrait pas que je dise Gandalf pour éviter des problèmes de droit d'auteur, sûrement. On ne sait pas. Qu'est-ce que... Attendez, je vais mettre... Là. Voilà, c'est mieux ça. On est plus... même si c'est pas vraiment le thème, mais on est mieux déjà dedans. Très bien. Donc là, j'ai mes quêtes. Ok. Peut-être qu'il faut que je me fasse un petit stuff, non, quand même. Je suis en train de penser à ça. C'est peut-être mieux, non, si je me fais un petit stuff. J'ai ma table de craft. Je vais aller me faire quelques outils. On sait jamais. Aïe aïe, coup dur Bendo. Bon, qu'est-ce que t'en penses Bendo là pour le moment de ça? Ok, je prends un petit peu de pierre. Oh! Un nouveau minerai que je ne connais pas. Qu'est-ce donc? Oula, je ne peux pas le miner. Bon. Oh génial, j'ai du fer. Parfait. Que je ne peux pas miner non plus. Oui, j'ai une pioche en bois. Très bien. Je vais aller me faire de ce pas une pioche en pierre. Et la pioche en bois, elle partira dans le four. Minerai de cuivre. Ouais, fais déjà un petit stuff et ensuite, quand tu seras ok, rejoins les chemins et commence ton aventure MDR. Tu peux faire des quêtes Hobbit pour augmenter ton influence sur eux. Ok, très très bien. Eh bien, très très bien. Bon, je me fais donc mon petit stuff, bien tranquillou. En toute tranquillité. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Minecraft, je suis un tryharder. Hein. Je vous avertis. Mais ne mettre pas trop de temps à faire un stuff, c'est pas le premier but du mode, c'est surtout de stuff grâce à la quête Witcher et à la Skyrim. Ok. J'en pense qu'il y a eu assez de cavalier. Ok. Ok. D'accord, un peu à la The Witcher, mais après, moi, c'est vrai, ouais. J'aimais bien farmer aussi dans The Witcher. Même dans Skyrim. Je vais vite fait faire un four pour me faire fondre un peu ce fer là. Le cuivre, qu'est-ce que je peux en faire? Voilà, je vous ai dit que ma pioche elle part. Ça aussi, ça part. On va faire un peu plus de pierre. Donc, par contre, là, je vois vraiment plus rien. Très bien. Est-ce qu'il fait nuit ou pas, à savoir? Parce que j'ai pas vu de nuit encore. Peut-être faire une épée. Ah! Dégage! Pas possible! S'immiscer comme ça, là! Le cul t'a dit. Ah! Bon, là, on s'enfonce hein, dans les ténèbres. À cette allure, je vais rejoindre les terres du Mordor. Peut-être miner un peu en surface, quand même. Pour trouver des ressources un peu plus essentielles. Pas de charbon, encore une fois. Hein. Par contre, niveau bouffe, elle descend jamais, quoi, j'ai l'impression. Hein. Ça fait 30 ans que... Juste peut-être un peu baissé. Oui, Redco, je suis entièrement d'accord. Oui, oui. Tout à fait. Ok, donc j'ai une petite boussole en haut à droite. Super.
Oh, mais c'est pas possible de me faire chier comme ça. Parlez. If you get some silver coins, then we can trade. Ok, donc... oh, joli. Acheter. Ok, donc il faut des... Par contre, c'est incroyable, hein, mais j'ai miné chez eux. Oh là là, mais c'est une réunion de famille. C'est une réunion de famille, leur truc. Ah, qu'est-ce que c'est, ça? C'est... Qu'est-ce que je viens de prendre, là? Minerai d'étain, ok. Très très bien, donc on est en Minecraft 1.7.10. Oh! Alors là, c'est bingo. Qu'est-ce que c'est que ça? Stalagmite. Ok. Nice. Je prends. Je sais pas ce que je peux en faire. C'est quoi ça? C'est du soufre. Super. Je prends. N'hésite pas dans les... Je pèse. Je pense qu'il y a des menus que j'ai pas vus. Ok, ok. J'ai pas l'impression qu'il y ait de mob. Je sais pas si c'est normal. Alors, elle. Menu. Alors ça, je sais pas ce que c'est. J'ai communauté. Communauté que vous commandez. Stylé. Je peux créer une communauté. Ok. Des titres. Waouh. Je peux devenir tout ça. Sérieux. Ok. Et bouclier. Ok, stylé. Bouclier d'alignement, c'est quoi? Ok, bouclier de succès. Très, très stylé. Hein. Mais là, pour l'instant, je voudrais bien me stuff un peu. Oula. Il y a du fer, là. Oh, il y a du charbon. Bingo. Oh, il y a du fer, là aussi. Bon, je farme vite fait. Oh non, je suis trop... Est-ce qu'on peut faire une usine à fer? Jouer ce mode pack pour faire une usine à fer, ça serait trop. Là, il y a du champ. Il y en a un qui se prend des dégâts, hein, je vous le dis. Il y en a un qui se prend des dégâts. Moi, je me fais juste un petit stuff classique. Hein, histoire de pas être trop paumé. Redco Bendo. C'est dingue. Ok. Merde, tête du cuivre, ça. Hop. Voilà, je termine un peu et je remonte. Je prends le charbon qu'il y a là. On voit strictement rien. Ok. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Non, j'ai pas récupéré. Ok, bon, on part. Ce mode est incroyable, me dire. Tu verras, pour l'instant, là, tu es dans le comté, il y a zéro mob. Ah, ok. Mais si tu commences à avoir des points de ralliement négatifs, ça va être la galère. Surtout dans les terres les plus hostiles. Mais si tu es neutre avec les factions, ils ne vont pas t'attaquer. Je ne sais pas si tu as compris, mais mon modèle. J'ai parfaitement compris. Tout à fait. Oui. C'est à la Skyrim, quoi. Voilà, tu tapes quelqu'un, bah, ils te foncent tous dessus, quoi. Ouais. Ouh, je suis... Non. Pas si haut, quand même. Si, si, au pire, en fait, je peux monter, oui. Que finalement, je vais atterrir... Ah, ben voilà. Hop. Bonjour. Alors, où est-ce que je m'étais installé? Je crois que j'étais un peu plus là-bas. Bon, le truc, c'est qu'ils se ressemblent tous. Là, il y a un truc, là. Ok. Où est-ce que j'étais? Je sais plus où j'étais. Ah, là-bas. Non, oh, j'ai failli le taper. Là, du coup, je peux poser ça. Ok, salut.
Alors, we hobbits treasure a kitchenware above all else. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais après la fête de la nuit dernière, j'ai réalisé que quelques-unes de mes possessions étaient manquantes. Tout pousse à croire que Sackville est derrière ça. Mon cher, je ne suppose pas... Je ne suppose pas que vous voulez aider un vieil homme, un vieil hobbit. Trouvez-moi 10 shops et je vous en serai reconnaissant. Ok. Pourquoi pas. Ils boivent quoi, là? Ils boivent quoi, là? Non, je vais pas le taper. Bon, je vais me faire. Tout ça pour récupérer moi mes shops. Oui, c'est ça. Ça au moins c'est un peu, c'est assez élémentaire. J'ai à bouffer normalement. Hop hop hop, toi là. Alors, est-ce que vous voulez devenir un bon ami et m'apporter quelques 2 liqueurs de cerise? C'était une journée très difficile dans le jardin et j'adore boire. Ok. Très bien, 2 liqueurs de cerise pour la table 5. Je suis le serveur en fait. Qu'est-ce que ce sera pour vous, monsieur? Oh, merci, vous êtes là. J'ai besoin de plus de nourriture pour mon oncle. Pour ses 100 ans. Cette vieil homme ne veut pas me laisser seul. Dieu soit loué. Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter? 6 moutons cuits. Ça va être compliqué de trouver du mouton cuit, mais ok. On va se faire un plastron. Voilà. Et les 2 prochains, ce sera pour une épée. Ça, au moins, sera un peu plus tranquille. Les shops, je peux pas les craft? Je peux les craft ou pas les shops? Ah, j'ai les quêtes qui s'affichent en haut à gauche. Est-ce que je peux craft les shops? Tant pis. Je pensais que je pouvais, mais non. Apparemment pas. Ok. Alors, si je prends mon petit manuel, mon livre rouge. Alors, j'ai tout ça à faire. Liqueur de cerise, très bien. Collecter 10 shops. Les shops, où est-ce qu'on peut les trouver, ces shops? Alors, on va faire un petit tour rapidement. Je peux accepter plusieurs quêtes et les faire plus tard, quoi. Je suis pas obligé de les réaliser maintenant. Mince. Non, c'est bien ça. Alors, on va voir un peu sur la map où est-ce qu'on est. Ok. Donc, ici, c'est Safe Zone. Je connais pas trop les cartes, par contre, je conseille d'aller sur le wiki. Je pense qu'il y a les crafts. Ok, très très bien. Alors, on va peut-être aller une ville de Hobbit au centre de la comté. Surplombé par la colline de cul-de-sac. On va aller ici. On peut mettre un... Vous voyagez rapidement. Ok, nice. Je vais faire un truc, vas-y. Oui, tu peux même jamais les faire, me dire. Ok. je suis pas sûr que je puisse mettre 2 points. Mais je peux me TP. Bah, je sais pas si c'est une bonne chose, vraiment, le TP. Là. Alors, on va faire vite fait le petit tour. Ok, très très bien. Bon, ça m'arrange si je peux les faire un peu plus tard. Ok, il y a des habitations là-bas, on va voir un petit peu ce que ça donne. On a un peu à bouffer. Ça va, des pommes. Ok, on a une première habitation, on va peut-être pas rentrer l'épée dans la main. Oh, stylé. Bonjour. Bienvenue, bon coucou lol. Et comment allez-vous dans ce succulent, sans cette succulente journée. Comme vous voyez, j'ai besoin d'un peu de feu de bois. Collecter 10 bois de sol. Tu as la boussole en haut à gauche dans ton jeu et sur la carte, tu as une rosace en bas à gauche. Ah, super! Prends un suicide sur cette co et... ouais, alors
Alors ça, c'est pas vraiment ce qui est conseillé de marquer généralement Bendo. Hein. Ça peut vite partir en problème. C'est quoi ça? C'est du bois de chêne. On en fiche un peu. Il me faudrait du bois de sol. Histoire au moins de le faire vite fait. Attendez, est-ce que j'ai deux musiques en même temps? Mais du coup, c'est toujours la musique de Minecraft, donc on s'en fiche un peu. Oh non, il pleut! Au secours! Oh merde! Je peux toujours bouffer. Ok, la pluie est jolie. Ça change un peu. Gardez un relot. Oh! Oh! Oh, pipe à fumer! Je me sers, hein. J'espère que. On va pas me le reprocher. Oh, du poulet. Oh, mais attendez, c'est une chope, ça! Allez, hop. Non, j'ai rien pris. J'ai rien pris. Oh, trop bien! Oh là là, d'accord. Oh merde. Mais par contre, je m'en bouffe tout, hein. C'est incroyable. Bière. Je vous en prends un peu, navré. Allez, ça me fait une chope. Hop! Ça me fait trois chopes. Ah non, c'est pas les mêmes! Ah si, c'est les mêmes. Allez! Au suivant! Aïe! Pourquoi j'ai pris ces dégâts, moi? C'est quoi qui m'a fait ces dégâts? Hop. C'est bizarre, ça. Hop. Bonjour, je viens récupérer... Oh, invitation. Par Bilbo Baggins. Ah, trop bien. Cher Monsieur Took. Mon 111e anniversaire. Je trouve franchement, les générations, genre vraiment les petits détails, la nature ultra jolie. Ah ouais, Bilbo Baggins. Trop bien. Notice offerte induction. Dégâts de certaines plantes au sol. Ok, d'accord. Ok. Je peux ranger dans les bibliothèques. Trop bien. Ok. Il y a plein de citrouilles là. Oh non, je vais être full. Oh, il y a un petit moulin là-bas. Vite, allez voir ce que c'est. Par contre, c'est con que la pluie soit là, quoi. Il y a quelques frises. Hein. Bon, après, je vous avouerai, c'est peut-être normal. Ok, très bien. Donc là, on a de quoi se faire. Oh, joli. Il n'y a pas de shop. Non. Pas de shop. On fait demi-tour. Bonjour. Oh, mais trop bien, on peut poser les fioles. Moment de bonnes idées, quoi. Les châtaignes. Il y a vraiment de très très bonnes idées. C'est un autre moulin, ça, non? Qui n'a pas chargé, je crois. Même pas. Oula! On a une petite erreur de génération ici, je crois. Oui, j'ai bien l'impression. Mais si, j'ai déjà passé. Non. Tu peux te faire un toit? Non, Bendo, non. Non. Par contre, si tu joues pendant un temps sur...
sur un peuple, tu peux récupérer un corps de guerre et gérer des armées, participer à des batailles pour envahir des régions, c'est vraiment stylé. Après, c'est de longues heures de jeu. Mais en fait, Redco, je vais faire ça toute la nuit. Non, je suis ivrogne. C'est trop bien la paille, là. Ok. Bah, je suis bourré. Ça me donne vraiment le tournis. Ok. Non, pas de doigts. Oh non, de cidre. Je crois que je les ai bu, moi, les cidres. Attendez, qu'est-ce que c'est, ça? Ah, ce sont des nuages. Rez-de-chaussée, oui, c'est bizarre. Châtaigne. Roseau séché. Oh! Nous sommes avec... Attendez, c'est quoi comme bois, ça? Bois de sol! On m'en a demandé 30. Allez, hop. Parfait, ça. Ce sont des sols pleureurs. Si mes souvenirs sont bons. J'en avais un, attends. Grand sol pleureur. C'est beau. Ouais. Ouais, Bendo, ça devient un peu lourd à force, hein. Tu sais, Bendo, que ça peut partir au ban quand même, tout ça. Bando, qu'est-ce que t'en penses si t'es ban pour ce soir? Est-ce que ça peut te faire du bien ou pas? Si on te bannit pour ce soir? Bon, j'en ai un peu plus que prévu. Hein. Maintenant, faut que je retourne à la quête, là. Comme de jeu. Aïe! Mais c'est ça qui me pique en fait, hein! Aïe! C'est quoi ça? Je suis victimisé par ça, quoi. Alors, c'est Bellbanks qu'il faut que j'aille voir. Bellbanks. Alors, si je vois la petite boussole. Ah oui, elle est là. Donc, elle est à l'est. Tout droit. Ok, c'est parti. Ah, on a une demande ici. Maybe je vais... Ah ok, d'accord, je peux plus accepter d'autres quêtes. Très très bien, super. Nice. Belle banque. Moi j'aime ma banque. Lol. Est-ce que je suis pas allé un peu trop loin? Non, finalement. Les distances sont vachement... En fait, la map est immense, j'ai l'impression. Pour le peu que je viens de faire, j'ai à peine avancé. Non, la pluie, c'est un peu lourd. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah! Est-ce Bellbanks? Bellbank ou Bellbanks? Oh! On va faire un jeu, Bendo. Tu restes calme pendant 30 minutes et tu vois. Ah! Oh, elle m'a donné des piécettes! Oh, pièces d'argent! Bien. Ah, il y a un mouton qui est rentré. Génial. Oh, parchemin de forgeron. Fois 1,25 de vitesse en mêlée. Trop bien, vas-y, je garde. Merci. Boussole. Allumette de soufre. On va voir ce que ça donne. Ah! Ça met juste le feu.
Ok. Bon. Si tu es full, tu as des bourses. Oui, c'est vrai, t'as pas tort. Oh, c'est des petits trucs, mais hop. On va mettre ça un peu. Hop. Tac. On va mettre un peu le bois ici. On va mettre nos pièces, surtout. Principalement, finalement. J'imagine que c'est fait pour ça. Mais bon, on pose un peu tout. Ah, on n'a pas les mêmes shops. Et merde. Ok. Hop. Parfait. Du coup, je peux pas dormir. Parce que franchement, si je peux dormir, ça serait bien. Et je vais voir si je peux pas te squatter là chez eux. Ok, c'est bon. On peut dormir. Très très bien. Oh, high day 23. Math, calendrier de la comté 1401. Ok, alors, moi ce que je vous propose. Est-ce qu'il y a un spot à ne pas manquer ici, là? Ah oui, quand même. Que le meilleur, le plus beau, le plus excitant du monde. Tu l'as dit, un staff. Ok. Pando ne dit les quoi. Ok. Petite cave. Ben, moi, ce que je propose, c'est qu'on pourrait aller faire un petit tour dans les collines des tours. Là. La plus haute des tours blanches construites pour Elendil par Gil-galad, dit ayant fabriqué l'une des pierres de vision. On peut aller là, à l'ouest. Je te conseille d'avancer vers les terres solitaires. Ah! Pour débuter ton aventure. Ok. Donc on va aller au Mont Venteux alors. La tour de guet en ruine. Domont. Ok. Tulle. Donc faut aller habiter une grande paire de vision de l'Arnor. Ok. Donc c'est. Ouais. Est. Tout droit. C'est parti. Et tu peux tel solidaire. Orc et rôdeur du nord. À l'ouest, elf. Oh. On va tester les terres solidaires et. Terre solitaire, pardon. Et puis on verra bien ce que où ça nous mène. Bon là j'en démarre là. Des hobbits, moi je veux voir du mob, moi je veux taper des créatures moi. Je vais taper des méchants. Ok. On y va. Attends, si j'arrive à la quête là, c'est que je suis pas encore bien sorti. Ok. Là c'est la plus jolie mais il y a moins de possibilités, tu vois, après. À l'ouest c'est plus hostile mais la map est plus grande par là. Ok, d'accord, je vois. Je te conseille de prendre les grandes routes. Ok, alors les grandes routes, il faut que je descende au sud. Au sud, tac. J'ignorais qu'il y avait des grandes routes pour tout te dire. Que j'y suis bientôt, grande route. Oui, je crois. Attendez, il y a pas mal de cochons là. Bon, ben, nous, je crois qu'on va se dire à demain. Hein.
Désolé, Bendo. Non, non, il faut pas nier Redco. Je pense qu'il faut directement lui dire un peu que bon, bah, ça devient lourd, quoi, à force. Ah merde, j'ai failli taper. Voilà, après, bon, il n'y a rien de méchant. C'est juste pour lui dire, bon, bah, de se calmer un peu, quoi, parce que. Normalement, c'est bien lourd. Même si c'est peut-être le seul spectateur, écoute, c'est pas bien grave, hein. On peut pas spam, hein, j'ai l'impression. Ok, donc j'arrive grande route ici. Donc. Ah, je suis pas encore tout à fait arrivé. Il faut que je continue vers le sud. Par là, je suppose. On va toujours profiter du live, donc tout va bien. Oui, tout à fait, voilà. Il est juste banni 600 secondes, donc c'est rien, vraiment. Il pourra même revenir s'il veut, d'ailleurs. Mais je suis désolé d'en être arrivé là, mais... Ok, il y a encore du cochon, là. Bon, le poulet, on s'en fout un peu. La pluie, elle s'arrête jamais, j'ai l'impression. Ah, je suis vraiment pas chanceux. Encore des cochons, là. Je peux pas spammer, c'est... C'est étrange. Ok, alors on continue vers le sud. Est-ce qu'on a de la pierre? Oui, faut que je la garde quand même sur moi. Parce que je vais pas tarder à me faire un four. Je pense que les vaches aussi, ça peut être intéressant. C'est un bon compromis. Surtout si on veut enchanter après. Ah, oh, ça y fait beau. Oh, mais quand même. Oh, ça change tellement. J'ai l'impression de découvrir un nouveau jeu. Ok. Bon, on est très très bien niveau bouffe, alors on manquera de rien. Je pense que ça va aller. Je vais peut-être me faire un four maintenant. Mon bois, il est là. Hop. Tac. Un petit four. Même deux, d'ailleurs. Ça va être long, par contre, c'est le seul point négatif du pack, la distance, mais tu as des TP rapides, en fait, ça dépend de ton humeur. Si tu vas profiter de la génération de marche, si tu veux l'action, TP toi. Ok. Bon, je pense qu'on va faire un petit peu en mode vanilla, quoi, c'est-à-dire on va un peu attendre. Et moi, comme un abruti, j'ai laissé tout mon charbon à l'ancien four, quoi. Bah ouais. Bon, mais c'est pas grave. De toute façon, on a du bois à côté. Pas ça qui va nous manquer. Hein. Voilà, je vais aller en couper, d'ailleurs. Voilà. Ah ben après j'aime bien les aventures un peu longues comme ça, au moins ça fait... C'est sympa. Ça fait durer un peu le plaisir. Il faut... Hop. Ouais, par contre il faut pas que je me fasse avoir parce qu'on peut manger en étant full niveau bouffe. Je pense que je vais profiter de ce moment pour un peu éliminer. Où est-ce que j'ai foutu mon bois?
Je l'ai pas récupéré. J'ai pas récupéré mon bois. C'est quoi ce bin ça? La misère va durer, crois-moi. Mais tant mieux, c'est une bonne chose alors. On s'en fout, on a pas besoin. On va éliminer un peu là. On va faire une petite session minage. Assez rapidement. Tac. Non. Ok. Les commandes Minecraft marchent. Ok. Bon, ça marche pas. Dommage. Tac. Ok. Oh, on a deux terres différentes là. Chemin de terre. Ok. Ah, mais en fait, quand je prends un truc dans mon stuff, ça les range directement aussi dans mes bourses. Ah, d'accord. Je comprends pourquoi est-ce que je ne les voyais plus. Très bien. Bon, maintenant, on a une pioche en fer. On a un peu plus level up. Là, c'est déjà mieux. On n'a pas de niveau, par contre. Hein. Vraiment, le système de niveau n'existe pas, j'ai l'impression. Bon, alors, il faut le débloquer, sûrement. Ah, voilà, on a du charbon directement. Hop. Oui, la barre d'XP n'est pas là. N'est pas présente. Allez, je vais vite faire ça. Pour me faire quelques torches. Regarde avec les flèches ton influence sur la comté. Alors. Alors attends, faut que je comprenne un truc déjà. Je sais pas ce que c'est, où c'est en fait. Ah! Mauvaise région. Attends. La comté, ok. Et c'est quelle région là? Au blanc, il faut que je cherche? Non, la comté. Oi, oi, oi. Ah, ça y est. Ok, là je suis un invité vraiment au max quoi. Ah, mais vous voyez pas, attendez. Hop, voilà. Voilà un peu comment... là où j'en suis. Après, tu seras ami et compagnie. Super, qu'est-ce que c'est ça? Du sel de roche! On nous a demandé du sel, je crois, en plus. Non? Il me semble qu'on nous avait demandé un peu de sel. Je sais plus. Mais j'en prends. Je suis preneur. C'est bien pratique ces petites bourses là. Et tu débloqueras des titres. D'ailleurs, tu as sûrement débloqué le titre Ami des Hobbits. Maintenant là? Ah bah quand même. Il faut que je prenne mon livre rouge. Qu'est-ce que j'ai? Et non, j'ai pas de... Tu peux voir avec L. Alors, si je vais dans le menu, si je vais dans succès peut-être. J'ai pas l'impression. Par contre, t'inquiète pas que Ivrogne, je l'ai. Ah, il y a titre. Oh oui, titre. Il me semble pas de l'avoir. Ami des Hobbits. Atanier. Plus 100 d'alignement. Waouh! Il en faut beaucoup quand même. Oh, j'avais même pas vu qu'il y avait une ressource ici. Non, pas encore, mais c'est pas grave. Hein. Après j'ai donné que des bûches. Hein. J'ai pas fait encore ce qu'il fallait, sûrement. J'ai fait qu'une mission sur je ne sais pas combien. Ok, comme ça on est bien en bouffe.
J'ai obtenu. C'est pas là, c'est pas là, c'est là. De l'étain. On ira voir après un peu dans le wiki ce que ça donne. Ce que ça vaut surtout. Ça fait du bien, petit live calme, je vais bien dormir. Et... oui, c'est sûr. Bendo le casseur de boules est de retour. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'espère que ça t'a fait du bien un petit peu ce moment de détente, Bendo. Que tu as pu te reposer. Déjà, c'est le plus important. Je me suis fait piquer par un moustique. Saleté. Pour vous jouer de mauvais tour, on dirait pas, franchement. Ouf. Bon, ça je connais. Ça c'est de l'étain. Du gravier. Bien fait d'avoir fait une pelle, moi. Hop. On va essayer de descendre vite fait. Ça m'étonne que singe que ne soit pas venu. On adore. Ah! En effet, d'accord, oui, c'est étrange. S'il est fan de Seigneur des Anneaux, oui, bon, après, il doit sûrement avoir une occupation. Ça m'intéresse fortement ici, dites-moi. Ah, mais il n'y a pas de mob, hein! Il n'y a pas de mob, hein! Il n'y a pas de mob, c'est ça? Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas de mob. Hein. Voilà! Oh, là on trouve des choses intéressantes. Là, je vous le dis tout de suite. Ah, c'est du sel de roche, d'accord. C'est quoi ça? Minerai d'argent! Allez hop! J'y vais, caval! Caval, j'y vais, caval! Hop! Ah, si, pardon, dans les grottes, il y a des gros mobs ultra comp. Arrête! Non, non, ça. J'y crois pas! Il me reste plus qu'une torche. Il me reste plus qu'une torche. Oh, il y a du beau minerai là. Après, je suis assez bien stuff. Hein. J'ai une épée en fer, un petit plastron, du topaz. Alors là, j'en ai connu des noms de minerai. Hein. Mais des noms de minerai comme ça, c'est pas souvent. Hein. Genre, ça one-shot et tout. Tends l'oreille si tu entends ça. Ok, c'est à ce moment où je cavale, quoi. Très très bien. Je retiens, je retiens. Ça aussi, ça m'a l'air bien sympa. Ça, c'est du soufre. Du bon petit soufre. Je crois que. Un jour, j'avais pris un médicament à base de soufre et ça avait une odeur. C'était infernal. Ça, c'est du cuivre, on prend. On va pas non plus rester 30 ans sur tout. Sachant que bon, bah, c'est quand même une aventure, mais bon, vu que je souhaite vraiment que l'aventure soit bonne, encore un peu de topaz, du fer. Dieu, c'est sûrement ça, j'ai bu de l'eau, sulfurisée. Ça pue, mais franchement, c'est bon. Boire de l'eau, c'était boire de l'eau de la montagne. Ah! Qui coulait vraiment de la source même. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ça! C'est beau ça, oui. Ok, on a de l'or. Un peu des ressources classiques. Bon, là, le charbon, on n'en manquera pas. Moi, je vous le dis. Et tu vois la roche riche en sodium? Pardon. La roche riche en soufre. Donc, bah, l'eau devient sulfurisée. Oui, d'accord, oui. Ok.
Mais c'est hallucinant là, ces trucs interminables. Je m'enfonce vraiment dans des endroits. Par contre, je trouve masse or en fait. Merde. Et j'ai ma pioche qui va mettre au broc en plus, c'est trop bien. Bon, je n'utilise que pour les diamants maintenant. S'il y a des diamants. Montrez-vous, petit diamant. Montrez-vous. N'ayez pas peur. Pas peur. Ah, du fer, je prends. Voilà, je suis désolé, c'est un petit live nocturne. Bien tranquillou, mais après, voilà. C'est pour qu'on n'ait plus besoin de miner après. On s'en débarrasse maintenant, comme ça au moins le pire est fait. Même si, bon, je vous avouerai que moi j'aime bien miner. Petit bruit de caverne. Oh, du soufre, c'est bon, on en a suffisamment. Il faut juste que j'entre le tuto, mais il y a moyen de mettre des fichiers que ça tellement du monde. J'avais une map. Une map sur le mode Lord of the Ring. J'ai ajouté musique et du coup, quand je rentrais dans le comté, il y a les thèmes du jeu. Oh, trop bien! Ah, oh, mais ça, c'est copyrighté, ça. C'est là, petit bémol. Ah! Ça c'est la. Oh, de l'opale. Je sais pas pourquoi, mais cette ressource m'a l'air rare. Je vais bientôt plus avoir de pioche, donc il va falloir que je remonte rapidement, en fait. Qu'est-ce que c'est ça? Non! Du salpêtre! Ah mais c'est bon, j'ai du bois. Tout va bien, la situation est maîtrisée, c'est bon. Pas d'inquiétude. Ah non, ça va pas bien en fait. Est-ce que je peux faire des outils? Non, je peux pas faire des outils. Je fais un truc en pierre et puis basta. J'ai du salpêtre. À quoi ça pourrait bien me servir, mais moi j'en ai. Saleté. Ok, bon, on va remonter. On va remonter à ce que j'appelle l'ascenseur égoïste. Tant que c'est pas la salmonelle, c'est sûr. Alors là, je suis entièrement d'accord. Alors le petit escalier égoïste qui consiste à faire ça, très très risqué hein, en temps normaux, me diriez-vous, mais. Mais vu que je maîtrise 100% le sujet, ne vous inquiétez pas, j'ai conscience de tous les risques. Et on est avant tout là pour s'amuser, donc. Si du gravier me tombe à la gueule, j'ai ma pelle. Mets une torche en dessous de toi en creusant. Ça... T'inquiète pas, moi le gravier, je le mange. Moi, je suis un mangeur de gravier, moi. Ah oui, en plus, on était vraiment bien avancés. On va faire le clip. Non, 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 il n'y a pas besoin de préparer de clip. Ça ne se produira pas. Et je tombe même sur un minerai. C'est sur du charbon. Par contre, c'est triste, mais parce qu'on voit rien du tout. Hein. C'est. Bon, ça y est, c'est peut-être bon là? Non, pas encore. Oh. Alléluia! Et voilà, on retrouve nos petits fours.
avec nos côtelettes. Ah, c'est une taverne. Ok. Je prends mes affaires et j'y vais. Voilà une chose intéressante. Allons, on peut se bourrer la gueule. Je peux lancer. Non, j'ai failli les lancer sur eux, mais... Non, je me suis dit non. Oh, qu'est-ce donc? The Laughing Troll. Le troll rieur. Bonjour. Bonjour. Parlez. À notre client. Comment allez-vous? Ah non! Oh non, pendant une minute! Sérieusement! Non, pendant une minute, je vais avoir ça, quoi. Oh l'enfer! Popol découvre l'alcool. Aïe aïe aïe! C'est pas grave, je me débrouille bien pour le moment. C'est très très joli malgré tout. C'est très très joli malgré tout. Voilà, je me permets de rentrer, merci. Ok, qu'est-ce que vous avez là, monsieur? Ok, ce sont des petites réserves, d'après ce que je vois. Je prends une chope. Hop, je me sers du pain, tout ça, c'est bon, j'ai pas besoin de bouffe. Je me remplis la petite bière. Est-ce que je peux bouffer un peu le gâteau? Non, c'est bon. Oh, mais c'est vrai qu'on peut pas les épées comme ça. Bon, il reste 10 minutes, je vais 10 secondes, je vais rester un peu comme ça en attendant. Le temps que ça passe. Ça y est. C'est bon. C'est vrai qu'on peut parier comme ça. J'ai complètement zappé. Ok, bon. Très très bien. On a un peu pillé tout ça. Bon, par contre, ils arrêtent pas de se bourrer la gueule. Hein. C'est... C'est hallucinant. Non, faut pas que je... Allez, hop. Ça va aller là. Très bien. Donc, je reprends un peu la map. Je suis dans le carrefour. Très bien. Donc il faut que je prenne direction est. Donc le carrefour, faut que je prenne dans cette direction. Ok. Très très bien. Bah c'est parti, alors on y va. Fin de bateau, il prend des rivières, ça ira plus vite. Oh. Ce que tu me dis là est intéressant. Ok, donc dès que j'arrive, dès que je vois le point d'eau, je fais ça. Je pense que oui, le bateau va nettement plus vite que la marche, bien sûr. Enfin, je crois. Très, très grand quand même. Le ciel est très très joli, ouais. C'est vrai que ça change du ciel de Minecraft habituel. Mais c'est surtout les nuages qui sont beaux. Très très beaux nuages. Ouais, c'est absolument gigantesque hein, par contre. C'est assez incroyable. Bon, on progresse. On en est où? On est là. Après, toi a bien roupillé, par contre, après. Oula! Pourquoi donc? Ah! Oui, d'accord. Ok, c'est tout droit. Ok, c'est bon. Juste me prendre mes côtelettes. Et j'en ai 38, c'est incroyable. C'est long et reposant, donc. Très très bien, ça.
continue un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, sympa! Petite table à l'extérieur. Très sympathique. Ok, on continue. Oh, j'ai reçu quelques petites notifications. Ok, le serveur médiéval de Garry's Mod est réouvert. Très très bien. Bon, donc voilà, on progresse. On est très peu aujourd'hui, tout à fait, oui. Il y a probablement deux enjeux à ça, c'est déjà le samedi et ensuite probablement Minecraft qui ne séduit plus, peut-être. J'ai regardé les catégories Twitch un peu dans la journée. Oh. Et c'est vrai que la catégorie qui l'emporte le plus, c'est League of Legends. C'est incroyable. C'est vraiment les premiers, quoi. C'est là où il y a le plus de spectateurs, quoi. Il faut se dire ça. C'est complètement hallucinant. Ok, on arrive bientôt proche de la... On est proche de la rivière. Et c'est toute ma journée à gratter. Par contre, je suis assez fier de moi. Quitte. Peut-être un futur morceau. Eh bien, dites donc. Voilà qui est fort intéressant. Bien joué. J'arrête pas de bailler, c'est pénible. Ok. Alors là, j'arrive à Les Eaux. Un village près de l'étang sur l'eau. Donc le village doit être ici, non, c'est un village ça ou... Tu me fais bailler, c'est très grave, je sais. C'est très très grave. Navré, mais toute cette marche, en plus il fait nuit, moi ça me rend beaucoup fatigué quand même. Ok, je me rapproche de l'eau, c'est bon. L'eau est magnifique, sache-le très très bien. Je suis curieux. Ok, je crois que j'arrive. C'est bon. Je suis enfin arrivé. Alors, je vais juste aller voir ce que c'est ces bâtiments-là. On dirait des fermes. Ce sont des fermes. Ce sont des fermes. Waouh, wow, ok, c'est bien ça. Alors, l'eau, la voici. L'eau est magnifique. Je ne comprends pas. J'ai manqué un épisode, peut-être. Ah, d'accord, ok. Très bien. Oh, les vieux bateaux. J'avais oublié que c'était comme ça. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça fait bizarre. t'avais pas des shaders, non, peut-être? Ok, c'est bon, on y va. Ok, bah après je suis peut-être pas dans le bon biome à savoir, ou alors peut-être c'est ce qui fait nuit, je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Ok, donc on longe en fait le continent. Très très bien.
C'est grand, hein, le. Si on dit toujours dans la comté, c'est quand même très très grand. Hein. Ah oui, je vois encore des hobbits. C'est cool, ça va plus vite. Ah oui, tout à fait. On a facilement pour 40 minutes de marche. Je comprends. Je comprends. Mais après, du coup, attends, c'est pour me rendre où déjà? Oui, les terres solitaires. Je peux me TP, hein, je pense. Hein. Ah non, je peux pas. Bon, c'est bon, ça fait 30 minutes que j'ai pas parlé. Aïe, aïe, aïe. Je vais me TP, je pense. F. Ouais, mais j'allais pas me TP alors que je suis sur un bateau, quoi. Bon, je vais faire le TP, juste pour me faciliter un peu la vie. Ici. Ok, c'est parti. Trop, trop bien. C'est trop bien l'animation là. Ok, donc là j'ai TTP. Oh. Bon, j'ai le bras qui est un peu tordu là. J'ai peur que... Ok. Ça me fait un peu peur là, ce bras tordu. Très bien, donc il faut que j'aille au nord. Non, le nord. Il faut que j'aille au nord et que je débloque la nouvelle région pour pouvoir me téléporter après. C'est ce que je vais faire. Oui, c'est finalement... C'est pour ça qu'ils ont intégré le TP. Je comprends pourquoi ils ont mis le TP finalement. C'est le nord. Cavalier, cavale, je cavale, je cavale. Je cavale, je cavale. Je cavale comme je peux là. Et donc je comprends pourquoi est-ce qu'ils ont rajouté les TP. Ça s'explique. Tout s'explique. Hop. Tac, tac. Tac. Avec mon compas dans le noir pour m'occuper les mains, je sens que ça va mal se finir. Oula! Oui, d'accord! Je croyais le compas une boussole et je me suis dit, attends, compas, compas, danger! Mais un compas, d'accord! Ok. Tout s'explique. Ah oui, ça peut mal finir, tout comme cette aventure d'ailleurs, hein, qui peut très mal se finir. Sachant que j'ai parfaitement le profil de Rashkit n'importe quoi. Et après des installations. Et après on n'en parle plus. Aïe! Aïe! Bon, cette route là! Ah mais attendez, il y a des chevaux, mais j'ai pas de selle. Comme dans les films. Attends. Dans le fossé autant qu'il y a Mastrol, comme dit le nom. Si tu vas au soleil, ils ne t'attaqueront pas du coup, comme dans les films. Oh, trop bien. Moi je pense que c'est notre objectif pour ce soir, rencontrer les trolls. Ils sont où les trolls? Fourré aux trolls! Ils sont là-bas! Donc là, je dois suivre toute la route, là? Ils deviennent vraiment pierre. Ça, c'est stylé. Bah, c'est pas grave, hein, on va y aller. Malgré les gros coups de frise qu'on a. Hein. Parce qu'on doit bien charger.
ben voilà, c'est parti, du coup, hein, pour un peu parler, voilà, toujours sponsorisé par Good Mood. Je reviens dans 3 heures, je pense que ce sera Good, tu sauras. Ouais, je crois aussi, ouais. C'est bien, ils ont voulu faire un truc grand, mais bon, là, c'est vraiment... c'est vraiment trop grand. C'est... Ah, je suis pas rentré dans la nouvelle région, là. Je peux pas me TP à Brie. Non, je peux pas me TP à Brie. Donc voilà, quoi, un peu les... Oh! Peut-être que maintenant je peux. On peut facilement rester des heures dessus. Mais quand tu es dans une nouvelle région, il y a plein de trucs à faire. Ok. Ok. Ouais, je dois bien contourner là, à chaque fois. Est-ce que j'ai pas débloqué là? Non, j'ai toujours pas débloqué. Valide du trône de sol non plus. Bon, bah c'est pas grave. Hein. Mais live est assez captivant pour que je ne fasse rien à côté. Oh! C'est une bonne nouvelle ça. C'est une bonne nouvelle. Ah! Qu'est-ce que c'est ça en face là? C'est un pont! Waouh! L'ouest bienveillant! Oh! J'ai obtenu un nouveau succès! Ça y est, on change d'univers! Ça y est, on n'est plus chez les Hobbits, je crois! Oh! Ça y est, on n'est plus chez les Hobbits! Mais trop bien! Ok, ok, je prends mon épée. Attendez, je crois que j'ai du fer. Ah, j'ai 27 de fer. Est-ce que ça vaudrait pas le coup que je m'arrête? Que je le fasse fondre? Non, 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 on fera ça plus tard. Donc, nouvelle région, alors ça y est, un nouveau TP. Eh ben non. Oula, quoi. Oula. Ok, il y a des corbeaux. On m'espionne. Il y a des corbeaux. Donc là, au niveau des films, en fait, on se situerait à partir de quelle époque? Les corbeaux de l'Alice au Pays des Merveilles, lol. On serait avant le film ou... Ah, ben non, du coup, puisque j'ai vu l'invitation de... pour l'anniversaire des 111 ans, donc ce serait après? Est-ce qu'après, ils n'ont pas appelé Gandalf, ils ont appelé les rangs gris, je crois, un truc comme ça. Ok, là on a changé définitivement un peu d'ambiance, ce que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est qu'au moins tout n'est pas pareil. Les chemins ne sont pas identiques. Là je crois que je peux me TP après Lord of the Ring et avant le Hobbit. Peut-être, j'ai jamais fait gaffe. Ok. Je peux me TP tout là-bas moi, mais du coup ça servirait à rien en fait. Même là aussi ça servirait à rien. Là je suis plus proche de Brie qu'autre chose. Sachant qu'il faut que je passe à Brie pour aller à la forêt des trolls. Oh, je jamais fini en fait pour arriver à la forêt des trolls moi. Je crois que ça va se faire samedi prochain. Hein. Mais je pense que le vendredi là, en mode de découvrir des jeux, bah j'irai sur Minecraft. Comme ça au moins ça fera 2 journées d'affilée de Minecraft et. Moi j'aime bien aussi, c'est relaxant. Là, visite la nouvelle région, je pense que c'est mieux. Ouais, ouais, je pense que je vais bien gagner un peu de terrain et après je visiterai un peu. Mais parce qu'en fait, il n'y a vraiment rien quoi. Parce que le truc le plus proche, c'est Vallée du Tournesol. Brie, ça me paraît être plus intéressant quoi. Oh, attends, quoique, j'ai peut-être parlé trop vite. Ah non, ok, ce sont des trucs qui génèrent.
Non, non, je croyais avoir vu un truc, mais pas du tout. Bon, tant pis. Oh! C'est quoi ce bruit? Les orques? Ils sont où? Je les vois pas. Ils sont neutres pour l'instant. Je sais pas où ils sont. Je les entends mais je les vois pas. Non, gobelin, pardon, ok. Oh, mais je les vois pas. Bon. Tant pis. Hein. Tant pis. Finira peut-être par en voir. Ok. Continue un peu là, hop. On enchaîne, j'ai bien fait de faire un beau stock de bouffe. Alors finalement, je me suis mis en hard, mais je sais pas si ça change vraiment quelque chose. Parce que la bouffe, j'en perds très très peu. D'ailleurs, c'est quoi comme bloc ça? Dalle en briques d'Arnor. Waouh! Attendez, j'ai les bruits flippants là. Ah, un ours! Ah, d'accord. Tu le sentiras dans tes peut-être futures batailles. Voilà, je commence à tease. Ok, bon, est-ce que j'arrive bientôt? Oh là 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 là, mais c'est hallucinant. Je le redis, mais la nature est vraiment très très belle. Oui, c'est vrai, oui. Bon, il y a beaucoup de verdure. Mais c'est vrai que beaucoup de bois différents, oui, c'est sympa. Très très sympa. J'ai pas trouvé compliqué d'installer le modpack. Bon, même si ça change un peu du traditionnel, ce que je regrette, mais bon. Le truc, c'est que j'ai pas l'impression que tout le monde le connaisse, ce modpack. J'ai pas l'impression qu'il soit très très connu. Ah, on a des habitations, on a des constructions, devrais-je dire. Non, même pas. Si, si, on a des trucs là-bas. Là, on a un petit truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Des petites ruines, je crois. Il y a quelque chose dedans. Non. Un camp orc ou rôdeur. Oula. Mais moi, le truc, c'est que je veux pas être allié avec les orcs. Hein. Moi, je veux direct être leur ennemi, en fait. Je veux devenir leur cauchemar, en fait. C'est aussi simple que ça. Oula, oula. C'est les rôdeurs du Nord. Ah, c'est mes potes, alors. C'est mes bros. Ouais, ouais. T'inquiète pas, Rico. Salut les potos! On dit que vous êtes un ami de Dunedain. Mais je ne suis pas sûr. Bon, ok, d'accord. Allez, qu'est-ce que vous avez? Du lapin. Il vous faut au moins plus d'éléments affection d'une aide du Nord pour cette action. Ok. Aïe. Oh, une petite bourse, je prends. Tenez. Aïe, aïe, putain. Aïe. Bon, je crois qu'il est tout seul. Ah non. Ah si, si, tout seul. Wow. Wow. Très, très beau, oui. Bon, il est tout seul. Il est tout seul, d'accord. Sympa. Sur sa petite plateforme, là. J'ai mis du crayon sur mon rayon, comment je vais faire? Oh, je vais pas le gommer non plus.
Oh, mais du crayon à papier ou le compas. Non. Aïe. Bon, bah, ça lui fera une cicatrice de guerre, quoi. Il y a un petit bâtiment. Il a une ruine d'orque à gauche. Ok, une ruine d'orque. Ok. Jamais vu d'orque encore. J'aimerais bien en voir d'ailleurs. Pour leur casser la gueule. Excusez-moi, pardon. Ok. Alors, je vais prendre un peu de cobble. Non, je l'ai là. Rien ici. Rien non plus. Peut-être là. Oh! Pièces d'argent, pépites d'argent, os, Ranger Guide. Attendez, il faut que je fasse un peu de place dans mon inventaire là. Un tranchant lance d'Arnor. Waouh! Merde. Oh oui! Oh oui, trop bien. Pièces d'argent, tac. Ranger Guide. Ranger Guide, médecine et herbal. Ok. Ok, d'accord. Bon, je sais pas si ça peut servir à grand chose. L'os, pourquoi pas, pépite d'argent aussi. Ok, c'est bon. Bon, du coup, j'ai mieux qu'une épée. Oula, j'ai pris cher là. J'ai mieux qu'une épée, j'ai une lance! Trop bien! Very nice! Ah, c'est sympathique là, l'exploration de ruines. Super! Ok, on continue vite fait. Tac! Ça, on reste bien proche de la route principale quand même. Ouais, j'ai un moustique. Bon, pour le moment c'est paisible, on n'a pas rencontré qui que ce soit d'hostile finalement. Aucune hostilité apparente. Nada. Là on aura un camp de rôdeurs là, c'est ça? Oula! Ah non, c'est pas un camp de rôdeurs ça. Bonjour. Getting for me, my God. Ah d'accord, ok. Donc, on est, je te déconseille de fouiller fou avec des orques. Ok, d'accord. Ok. Ferme-moi. Oh, c'est stylé ça. Et ça, c'est quoi ça? Oh, carte de conquête. Vous devez répéter l'allégeance à une faction avant de pouvoir lancer dans la conquête. Stylé. Oula, c'est bon, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Ah, c'est une forge orque. Ok. Oh, coupe-crâne, je prends. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi coupe-crâne? Coupe crâne. Ah ok d'accord, c'est juste ça. Allez hop, ça dégage. Ok, très très bien. Je vais éviter de faire le fou avec eux, mais qu'ils fassent pas le fou avec moi non plus. Parce que sinon, moi je m'entends pas très très bien avec les orques. Hein. C'est une nature, hein, c'est comme ça. J'ai un background. Ok, là on est sur du plat un peu, c'est sympa. Très très bien. Est-ce qu'on en est? Ok, on est à peu près. Ouais, grosso, on est presque à la moitié. Sachant que j'ai fait quelques petits arrêts. Mais Redco, t'as passé combien de temps sur ce.
Oui, Good Mood, partenaire officiel du live, tout à fait. T'as passé combien de temps, Redco, sur ce mode de jeu, là? Parce que tu m'as l'air vraiment de l'avoir tryhard. Tu m'as l'air vraiment de l'avoir séché, mais... J'ai bien dû passer des journées entières à explorer. Aïe, aïe, aïe. Et t'as déjà fait des guerres, des trucs comme ça? Parce que moi, quand j'ai montré la vidéo d'hier, là, justement, dans Seigneur des Anneaux, j'aimerais trop faire une guerre comme ça, là, en mode... Il y a un petit coffre. Il y a un petit coffre. On va pas s'emmerder et pas passer de l'autre côté, là. Hop. Pourquoi pas, merci. Un peu en give et compagnie, mais pas trop en vanilla. Trop long pour y arriver. Ok, d'accord. Je peux pas passer, oui. Ok. Ouais, le vanilla, c'est... Voilà, c'est... Je pense que c'est mieux quand on le fait à plusieurs, tout ça, voilà. Là, par exemple, en live, c'est peut-être le meilleur prétexte de faire ça en vanilla, quoi. Moi, ça fait un peu de temps, c'est sympa. Mais après, je vais bien croire que pour découvrir un peu les éléments, c'est bien de... mode créatif et puis basta, quoi. C'est plus sympa, aussi. Et c'est mieux après pour conseiller effectivement les gens qui jouent en vanilla après. Oui. On a quelques petites constructions ici là. On a encore une ruine. Ok. Bourse moyenne. Oh oui. Super. On a une bourse moyenne. Trop bien. Ah mais c'est vrai que du coup je peux ranger deux fois plus. Trop bien. Hop. Ça met vraiment bien ça les bourses. Là il y a la petite ruine que je vais aller faire. Et tu vois les portes dans le Hobbit qui s'ouvrent avec le rayon de la lune. Et bien si tu regardes dans les cartes du nord, dans les montagnes, il y a des constructions où les portes apparaissent juste avec la lune. Et tu peux avoir des bonnes ressources. Oh, ah stylé. Ok. Très intéressant. Oh, petite bourse dague en fer. Oh, c'est magnifique. Dague en fer, on a plus 3 en dégâts mêlés. Ici, on a plus 6, ouais. Vitesse en mêlée, 150%. Là, on est 83. Et portée en mêlée, 75. Et ici, 150. Ok. Ok, donc là, je peux spam, quoi. Là, du coup, je peux... Moi, je peux spam, quand même. Okay. Allez, on retourne sur la route. Ok, d'accord, ok. J'ai vu un petit peu le... Comment ça remontait. Pauvre lapin, ouais. C'était pour le bien de l'humanité, d'accord. Super, donc là déjà on a deux nouvelles armes. C'est très très bon ça. Très très bon ça. Ok. Oh, il y a un gros truc là-bas. Qu'est-ce donc? Ah, c'est un camp. Bon, en vrai, tu retournes pas en arrière là. Bonne question. Non, je suis pas sûr. Attends, on va bien zoomer. Je suis pas sûr. Non, je crois pas. Non, là, je m'enfonce dans une forêt. Sachant que j'en ai pas, t'es pas ressorti. Ok, my bad. Voilà, donc demain, journée cool. Voilà, pas de live parce que. Bah, c'est dimanche, quoi. Lol. Après quand je vois qu'il y a des streamers qui font des streams toute la journée, c'est... Ils sont forts. Hein.
Ouais, je me méfie, ouais. Je me méfie. Voilà, donc du coup, après, on se retrouvera que. Il me suit, oui, c'est trop bien. Lundi, on se retrouvera que lundi, du coup, sur Hammer. Sur Hammer. Et on continuera cette map aventure. J'avais montré milieu de semaine un petit peu ce que j'avais fait. C'était le système de PNJ là. C'était assez sympa à faire. Et j'aimerais bien approfondir un peu à ce niveau-là. Vraiment rendre. Enfin, faire plusieurs PNJ, des trucs assez interactifs. Du style, on arrive dans une ville et c'est bourré de PNJ. Et on pourrait utiliser justement ce qu'il y avait sur le Poudlard, sur un Poudlard. Donc c'est le fait de pouvoir faire parler les tableaux. Bah là, on peut faire parler les PNJ en fait. On peut complètement les faire parler. Nice, bah, le mode Lord of the Rings pourrait t'aider à trouver des idées. Ah mais c'est vrai, c'est pas faux. C'est complètement vrai ça. Même en termes de je veux dire en termes de design, c'est déjà intéressant. Déjà, voilà, on a une idée de chemin. C'est un chemin et entouré de végétation. C'est con, mais au moins on l'a en tête. De manière détaillée, quoi. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai que le système de PNJ, c'est vachement sympa. Bon, c'est pas vraiment spécialisé là-dedans, Hammer, mais il y a quand même une intelligence artificielle sur les PNJ qui est parfaitement configurable. Faudrait mettre des petits gratte-ciel. Où ça? Pour me repérer? Pour faire du repérage? Pour dire que je suis passé par là? Ah, pardon. Sur l'impape aventure, des petits gratte-ciel? Pourquoi des petits gratte-ciel? J'ai pas compris. Oh! Un peu de modernité. Pourquoi pas? Ok. Oh, je peux me TP. Trop bien. Mais voilà, ça y est. GG, guys. GG. F. Quoi? Non, je dois attendre 4 minutes. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, je vais les faire. Ok, c'est pas abusé en fait. On peut pas se TP tout le temps à n'importe quel moment. Il y a un timer. Ok, bon, bah tant pis. J'avais oublié qu'il fallait attendre. J'avais oublié ce petit détail. C'est pas grave. On va faire ça à pied, c'est pas grave. Il n'y a aucun problème. Ce petit détail de rien du tout quand on y pense, mais tout à fait. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Oh! Wow, c'est qui eux? Gardez votre tête basse et ne causez pas de. Ok, ce sont les gardes de Brie. Voilà. Les gardes de Brie. Super. Par contre, ils sont petits aussi, hein, non? Ou c'est encore des hobbits? On est encore sur des hobbits ou pas là? Ah ouais, on est encore sur des hobbits, j'ai l'impression. Oh putain. Oh bordel. Wow! Wow. Oh, lui est stylé, lui. Oh oui. Ok. Stylé, les gardes. Ultra stylé. Pour engager les mercenaires aussi. Mais faut les trouver, ok. Super stylé. Ah, ce qu'il me faudrait, ce serait un cheval, en fait. C'est tout con, hein, mais il me faudrait un cheval. Ça rendrait les trucs tellement plus rapides. Ce serait comme Lilia, la... Huskarl. Dantès. Ouais. Alors, je t'avouerai que... Tess, j'ai pas joué. Mon grand regret, je vais peut-être paraître. Comme un ignorant, comme. Ah, d'accord.
The Elder Scrolls. Ah, je croyais que c'était le mode online. Dans Skyrim, ok, d'accord. Bah, du coup, je n'avais pas compris ça, moi, je... Bah alors tu m'apprends un truc, parce que depuis tout ce temps, je pensais que Tess, c'était un autre jeu du style Skyrim. C'est pas pareil, il y a un haut. Ok, d'accord. Très très bien. Bon, on approche du bris et je pense qu'on va se quitter là-bas. De l'abri. Bris. Tout court. On peut se TP. Dans 1 minute 30. J'en veux plus. J'en veux plus. Bon, du coup, après, je travaillerai un petit peu en offline. Le fromage brie. Mais lol. En offline, je me stufferai un peu mieux. Je me fous l'armure en fer, tout ça. Histoire d'être prêt pour des batailles, des fights. Parce qu'à savoir, est-ce que je peux inspirer le respect par la peur? Tu pourras aussi faire une chasse au trèfle à 4 feuilles si tu veux. Mais oui, alors j'arrête pas de regarder ça depuis tout à l'heure. J'en cherche depuis tout à l'heure. C'est assez marrant, tu vois, à chaque fois. Hop. C'est la première question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il y a des trèfles à 4 feuilles? Bon, j'ai l'impression qu'on arrive dans une nouvelle... Alors on est sur MC, donc tu fais tes quêtes et tu restes dans le système. Oui, chef. Joli. Est-ce que je peux vous aider, okay. Je crois qu'il parlait de son... Ok. Alors on m'annonce à l'oreillette que prochaine vidéo de McFly et Carlito ce serait en lien avec Koh-Lanta. Voilà. Source, je sais pas trop, mais je le lis là, on m'envoie ça comme message, très bien. Je suis censé répondre quoi à ça? Je suis censé dire quoi? Ben, merci de l'information. Donc je vais partager, voilà, ce qui c'est vraiment ça, c'est incroyable. Voilà. Je vais être à l'aise, je vais les repiller. Ben moi c'est la même chose aussi, c'est tout pareil, Redco. Je vais peut-être me boire un petit verre de soit de lait ou un jus de fruits. Qui sont convenablement stockés dans le frigo. Que j'ai bien rangé au préalable. Un petit sirop plus lait. Oh là là, on ne parle pas. J'ai pas de sirop. Quelle honte. Aïe aïe aïe. Moi ce que j'adore. Oula. C'est la grenadine et lait. Apparemment, il y a la team grenadine lait et la team menthe lait. Au sirop de menthe. C'est deux salles de ambiance. Hein. Ouais. Menthe, j'ai jamais vraiment trop adhéré à la menthe. J'ai toujours une préférence pour la grenadine. Après, la menthe, je trouve qu'elle a un bien... Enfin, je trouve qu'elle est... Comment dire ? Quand c'est froid, c'est plus agréable boire de la menthe. Je trouve que la fraîcheur... De... Enfin, bon, après, c'est la menthe, quoi, aussi. Donc c'est pas pour rien si les dentifrices goûtent la menthe. Mais je veux dire, c'est plus agréable quand il fait chaud. La menthe eau, voilà. Enfin, la menthe à l'eau, comme on dit, tout simplement. C'est bon. Il fait bien, bien chaud, et voilà. Ça donne une bonne impression d'hydratation. Mais par contre, la grenadine, voilà, c'est un grand amour. Hein. Perso, j'ai toujours eu du mal avec tout ce qui est aromantique, genre parfum de menthe, basilic, coriandre. Ah, d'accord.
D'accord. Ah ouais. Oh, le persil quand même, non, même le persil. C'est vraiment, moi j'adore ça le persil. À la limite, menthe, je peux comprendre, basilic aussi, coriandre aussi. Persil, j'aime bien. Persil, c'est peut-être mon préféré entre tous là. Basilic, c'est sympa, mais wow. Persil grillé plus citron, ça passe. Ah ouais. Ah ouais. Ah, j'ai une quête là. Bonjour monsieur. Collectez ce gibier cuit. Allez hop. T'as pas du TP du coup MDR. Bah voilà. On ne fait pas un use TP. Tout à fait. On l'utilisera juste pour les orques, je crois. Oh oui, trop bien. Ça y est. On a une civilisation en vue. Oui. Oh oui, il y a des murailles en plus. Oh oui, c'est trop bien. Oh là là, welcome to Brie. Oui. Oh là 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 là. Bah là, si je fais ça. Oh là là. C'est trop bien. C'est trop bien. Bonjour. Je dors dans votre lit, monsieur. Voilà. Allez, les chopes. Tarte aux champignons. Non, c'est moi qui ai passé là. Ok, bah ça y est, on est arrivé à Brie, à notre destination finale pour ce soir. Je fais vite fait un petit tour. Oh là là, c'est trop bien. C'est génial. Là, on est vraiment rentré dans un village, quoi. Trop bien. Oh, c'est génial. Par contre, il y a vachement de PNJ. Et ça, j'adore. C'est vachement bien. Super bien. Ben voilà. Nous avons atteint notre objectif. Maintenant, prochaine étape, fourrer au troll. Voilà, c'est notre prochaine étape d'un épisode prochain. Sans te mentir, c'est la première fois que je vois un village complet, genre avec murailles, chemins et compagnie. Ah ouais? Ah ben, ça me fait plaisir. Tiens, tu vois un peu de l'exclu, de l'exclu. C'est énorme, c'est énorme. En plus, les murailles, elles entourent vraiment tout, quoi. C'est dingue. J'adore. On est vraiment dans un village, quoi. Ouais, il est complètement enfermé, c'est trop bien. Oh là là, il y a des entrées partout en plus, c'est trop bien. Oh là là! C'est trop bien. Stay away. Mais je m'en fous, je rentre. Oula, ça fait peur ici. Pourquoi stay away? Chop, je prends. Poireau, hop. Ça m'a l'air d'être une maison abandonnée, ça. Ok. Donc voilà, un peu ici. Ok, entrez à votre à vos risques. Okay. J'ai peur qu'il y ait un screamer. Ah! Oh putain, m'a fait peur. C'est bon, je me casse. Allez, c'est bon. Ok, bon. Ça m'a l'air très complet. Il y a des maisons absolument partout. Issou, j'y vais, Issou. Oh, c'est ça, ouais. Allez, jeu sauvegardé, quitté. Voilà, hop. Une petite conclusion du mode pack pour cette fin de live. Eh bien, très honnêtement, vachement sympa. Alors, il faut vraiment ramer pour avoir un petit aperçu. Cela, j'ai vraiment rien eu en termes de contenu, mais. Ça m'a l'air superbe. Et en plus, quand je lis qu'on peut faire des armées, tout ça, franchement, ça me fait vraiment rêver. Ça me fait vraiment rêver. Il me tarde d'arriver à ce moment-là, de faire des petites guerres comme ça, ce serait vraiment trop bien. Mais bon, je vais y travailler, et mon objectif, c'est de diriger une armée en mode full vanilla. Voilà, c'est mon but ultime. Faire une armée en mode full vanilla. Voilà. Inch'Allah, ouais, c'est ça, Inch'Allah.
Bon, bah, allez. Bon, bah, du coup, une très bonne nuit à toi, Redco. Et finalement, tu as tous les utilisateurs que je vois dans le stream. Oh, il y a un petit cœur. Sont des bots. C'est même pas des bots que j'ai invités en plus. Hein. Il y a des bots comme ça qui viennent random. Bon, c'est pas bien grave. La bise, bah voilà, la bise Redco. Bon dimanche. Et on se dit à lundi pour Hammer. Allez, bonne nuit. Ciao, ciao.